Allez, on rentre directement dans le vif du sujet, quasiment terminé. Il y a déjà plusieurs éléments que vous aviez déjà vus. Tout ce meuble cuisine, c'était déjà fait dans la dernière vidéo, avec son coffre de gaz sous ce coussin-là. Petit meuble haut qu'on a fabriqué la dernière fois ensemble. Finalement, il n'aura qu'une seule porte, avec deux placards à l'intérieur. Donc là, on y range nous tout ce qui est tout accessoire de cuisine, cafetière, vaisselle, etc. Ici, nous avons la cuisine. Donc, pour l'instant, uniquement de l'eau froide et deux feux gaz, qui suffit largement pour cuisiner les repas de camping. Ici, quelques petits changements par rapport au plan. Donc ici, encore un placard qui demandera une étagère supplémentaire. Et le second meuble, une étagère ici qui va jusque dans le fond. Petite peinture à faire. Et ici le tableau électrique tel qu'on l'a conçu et fabriqué ensemble dans les vidéos précédentes. La seule différence par rapport à mes plans, c'est l'emplacement de la batterie qu'on a dû mettre ici. Parce qu'elle était dans ses dimensions un peu plus grandes que ce que j'avais prévu au départ. Meuble suivant. Voilà, c'est vaisselle, poubelle, les évacuations et les arrivées d'eau qui arrivent là. On l'avait déjà vu également dans les vidéos précédentes. On y range donc toute notre vaisselle. Le frigo Dometic qui marche extrêmement bien, qui fait des glaçons en 2 heures, c'est parfait. Rangement bouteille, coffre de gaz tel qu'on l'avait vu. Ici, ce que j'ai sorti du petit meuble à côté, c'est notre réserve de sciure pour nos toilettes sèches qui sont là. Donc au chapitre des nouveautés, on a, je vous parle pas du décapsuleur, accessoire indispensable, cela dit en passant, une petite table qui nous permet donc de prendre nos repas à l'intérieur quand il fait pas beau. Elle est sur pivot ici, mais également sur pivot en dessous. Voilà, et donc ce qui fait qu'elle est entièrement démontable juste avec des manettes. Et quand on ne s'en sert pas, ou quand on déplie le lit d'ailleurs, on la glisse soit dans le coffre, soit sous le lit supérieur. Pour continuer sur les rangements, un placard ici, avec son petit miroir. Et un second plus bas, avec un coffre un peu profond. On glisse en général les draps, les petites couvertures, ce genre de choses. Et on a mis un tout petit étagère avec un petit rebord là, pour glisser toutes les conneries dont on a besoin de ranger quand on se couche le soir. Concernant le lit principal, vous aviez déjà à peu près tout vu. On n'a rien changé, hein. C'est le même matelas, c'est le même système de lit. J'ai juste remis une petite sangle ici pour pouvoir l'attraper et puis le plier rapidement. Voilà. Voilà, donc là on a un lit de 140 par 190. Et puis le lit enfant en dessus, qui fait 70 par 160. Qui est protégé devant par la barrière et derrière par un filet. Même si il n'y a pas la place de faire tomber quelqu'un entre la porte et le lit. Pour l'homologation dont on parlera plus tard, je pense que c'est important. Les fenêtres, donc il faudra très certainement refaire l'entourage qui ne me plaît pas spécialement. Elles sont donc projetables. Ce qui est super parce que ça permet de les ouvrir même quand il pleut faiblement. Elles sont dotées d'un côté d'un voile occultant et de l'autre d'une moustiquaire. C'est la même chose sur la porte latérale. Pour la nuit, étant donné qu'on n'a plus de cloison ici, on a décidé, nous, plutôt que de mettre des rideaux isolants chaque soir sur toutes les vitres, simplement d'installer un rideau qui est isolant thermique et qui est occultant. Et ça fait parfaitement bien l'affaire. Voilà, en général, on laisse pendouiller sur les sièges avant. Et puis ça nous apporte le noir. Ça nous évite le petit coup de frais de la cabine du matin. À l'arrière, nous avons... pas grand changement non plus. Donc le lit entier. Le rangement pour la table, les chaises de camping, la petite grille pour se mouffler du feu, nos petites cales pour se mettre à peu près de niveau quand on ne l'est pas. On a moquetté toutes les portes, il restera à poser un peu de moquette, mais j'attends une autre teinte sur les parties tôlées. C'est la même chose ici. Un petit incontournable. Petit barbecue qu'on a glissé là, notre douchette, toujours qu'à l'eau froide. Pour l'été, ça va bien. Je vous ai souvent parlé de ma douchette, mais je me rends compte que je ne crois pas que je vous ai montré comment elle fonctionne. Bah, c'est simple. C'est ça, on a bon 1m50, 2m, si je la casse pas, de flexible.
On a un petit mitigeur au chaud d'eau froide. Alors pour nous, c'est pas compliqué hein, puisque c'est froid. On l'ouvre. Et c'est parti. Et alors c'est vraiment, vraiment indispensable. Hein. Pensez-y, ça paraît bête, mais soit acheter un robinet de cuisine qui a le flexible qui se tire comme ça. Il y en a beaucoup dans ces modèles-là que vous pouvez sortir par la fenêtre de la cuisine, par exemple. Et puis vous douchez dehors. Soit installer une douchette comme ça, c'est vraiment indispensable. Ne serait-ce que pour se rincer les grosses journées de chaleur en été ou les pieds quand vous revenez de la plage ou autre. C'est vraiment très important de se laver. Bien sûr, c'est important. Et puis ici, en fait, le petit système de remplissage. J'ai fait un petit bouchon et puis j'ai utilisé une tétine là de tuyau d'arrosage de jardin. Hop, ça sort pas par là. Là, on se trouve de l'autre côté de la cloison derrière la cuisine. Et en dessous du châssis, on va pouvoir voir. Ici, j'ai installé donc mon réservoir d'eau sale. J'ai pris un réservoir de taille adaptée à mon véhicule et puis j'ai fabriqué des grosses fixations en acier vissées dans le châssis. Et pour le vidage, eh bien écoutez, c'est simplement une vanne de jardin. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'eau dedans, mais il suffit de se baisser un peu, de tourner ça et on vide. Yam. Quand vous êtes sur une aire de vidage de camping-car, eh ben vous vous mettez au-dessus de la grille prévue à cet effet et splatch. Je ne sais pas si vous le verrez, mais j'avais également commencé à installer les fixations nécessaires à la pose d'un store. Alors on avait choisi un store tulle Omnistore de je ne sais plus quel modèle. On a commandé le store en même temps que ses fixations. J'ai posé les fixations avant de me rendre compte que c'était pas celle qui était adaptée à mon store. Donc j'ai les fixations, mais pas encore de store. On va ouvrir ça. Voilà, il est ici, avec les feuilles incorporées. Donc c'est un panneau monocristallin, je crois que c'est 175 watts. Appelé donc à notre batterie au gel, 120 ampères-heure. Franchement, on la décharge jamais. L'avantage d'un panneau solaire, c'est que même en statique, bah ça charge quoi. Et même quand il y a des nuages, ça charge peu, mais ça charge. Et nous, ça nous évite d'avoir, comme dans d'autres véhicules qu'on a pu avoir avant, besoin de charger notre batterie juste au moment de devoir partir en week-end quoi. Et si le samedi matin, vous voulez partir, vous faites qu'une heure de route, votre batterie ne charge pas, bah vous tenez pas le week-end avec un frigo et puis les lumières, etc. Donc vous le dimensionnez suivant votre installation, votre véhicule. Mais à mon sens, un panneau solaire, c'est vraiment indispensable. Alors après, vous le couplez, si vous voulez, à un coupleur, quand vous faites de la route, au moins vous chargez à fond, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un confort incomparable. Bon, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur l'homologation VASP, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça passe, etc. Alors, je ne vais pas vous faire un tour exhaustif, mais je peux vous faire quand même un petit tour d'horizon des trucs qui sont vraiment faciles à faire. Mais par contre indispensable pour toute transformation de votre carte grise d'utilitaire en VASP caravane. Je vais vous montrer ça tout de suite. La première étape de votre homologation VASP, elle se passera au niveau d'un organisme de vérification et de certification de votre installation de gaz. Alors la mienne, elle est très simple. J'ai deux brûleurs à gaz et c'est tout. J'ai pas d'appareil de chauffage, j'ai pas de frigo au gaz. Donc le système de gaz, il consiste à aller d'ici, à passer dans le fond du meuble et arriver dans le meuble, dans le coffre de gaz prévu à cet effet qui se trouve ici. Il n'y a plus la bouteille, mais vous allez comprendre quand même. Votre coffre de gaz, les bouteilles butane. Vous devez avoir une lyre, soit en inox qui est garantie à vie, soit comme la mienne en caoutchouc qui a changé tous les 5 ans. Donc bien sûr, le jour où vous arrivez pour votre certification, vous n'avez pas dépassé la date. Vous devez avoir un détendeur qui est adapté à votre gaz, là c'est du 30 millibars. Du tuyau rigide qui soit relié avec ces genres de raccords qui seront vérifiés le jour de l'installation avec un produit moussant, soit qui sont brasés à la brasure forte et pas à l'état pour fabriquer tout votre système de gaz. Le coffre dans lequel vous mettez votre bouteille, il doit être complètement étanche côté cabine. Donc c'est pour ça que moi, sur ce véhicule, j'ai choisi d'installer une porte qui a déjà un joint étanche. C'est des portes qui sont faites pour être mises sur les bateaux. Donc je suis à peu près sûr que ce soit étanche. Et ce coffret, il doit être aéré sur l'extérieur. On voit bien là, on voit le sol. Hein.
Donc en cas de fuite de gaz de votre bouteille, le gaz qui est plus lourd que l'air, il s'écoule et il part à l'extérieur. Cette évacuation-là, elle doit être à plus de 50 cm de l'échappement pour éviter que si des gaz s'écoulent et que l'échappement est chaud, ça pose souci. Le coffre doit être absolument étanchéifié dans tous ses coins, dans tous ses angles, avec un mastic étanche type mastic silicone. Donc là, vous allez me dire c'est pas propre, mais c'est étanche. Il y a tout un tas d'autres détails et normes à respecter pour cette certification de gaz, notamment les brûleurs qui doivent être fixes. Il doit y avoir des thermocouples. Ce sont des petits dispositifs qui permettent de couper l'arrivée de gaz si la flamme s'éteint et que le robinet est ouvert. Caligaz, ils vont également vérifier la distance au feu de vos équipements de cuisson. De mémoire, je crois que c'est 25 cm avec n'importe quelle autre matière inflammable sur les côtés. Donc là, ici, le seul problème, c'était l'entourage de vitre en plastique, etc. Il y a une crédence intégrée, c'est pareil. S'il y en a, c'est parfait. S'il n'y en a pas, il faut en créer une, hein, absolument, avec un matériau inflammable dessus. Le jour de la certification gaz, seront également vérifiées toutes vos aérations. Les aérations, notamment en partie haute et en partie basse. Alors en partie haute, j'ai ce lanterneau qui, en plus de m'apporter de la lumière, m'apporte une aération permanente. Alors pas suffisante pour la surface de mon camion, parce qu'il y a, vous pourrez trouver sur internet, hein, il y a les tableaux qui vous expliquent quelle taille d'aération vous devez mettre pour quelle surface au sol de camion. Et donc pour mon cas personnel à moi, j'ai dû rajouter une aération en partie haute ici, que vous avez vu dans la dernière vidéo, pour arriver à la dimension d'aération nécessaire pour la surface de mon camion. Donc ça, c'est ce qui est pour l'aération supérieure. Il faut également une aération inférieure, dont la grille doit être située à moins de 10 cm du sol, niveau du sol. Donc moi, pour pas être embêté avec ça, je l'ai placée dans la porte latérale, tout en bas, et elle donne en fait sur la marche à l'intérieur. Donc elle est même en dessous du niveau du sol. Donc avec la grille qui va bien dans la garniture de porte latérale. Et ça, bon, celle-ci en plus elle est vraiment surdimensionnée, mais au moins c'est ok. On vérifie également la taille de vos ouvertures, une dimension minimum à respecter pour la sortie. Et ce qui est vérifié également, c'est que toute porte fermée et verrouillée, on puisse sortir par les issues de l'intérieur. C'est-à-dire que même si votre camion se verrouille, vos portes sont fermées et se verrouillent à clé, vous devez pouvoir sortir de votre véhicule sans avoir besoin d'accéder à vos clés ou quoi que ce soit, rien qu'avec la poignée ou un loquet au-dessus de la poignée. Donc toutes vos poignées, toutes les portes sont accessibles et puis fonctionnelles. J'ai déjà eu le tour d'une poignée qui sur un autre véhicule se retrouvait un peu cachée derrière un matelas ou pas très accessible, c'est pas passé, il a fallu que je la déplace. Donc attention à ça, il faut que toutes les portes puissent s'ouvrir de l'intérieur, même si le véhicule est verrouillé. Donc ça, c'est tout ce qui correspond à la certification de votre installation de gaz. Concernant ce qui est passage à l'Adréal, je ne vais pas vous parler de toute la construction du dossier, avec notamment le calcul de répartition des charges, etc., qui est un peu prise de tête. Ce qui va vous parler surtout de ce qui est vérifié in situ par l'Adréal lorsque vous venez faire homologuer votre camion. L'Adréal, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un organisme qui vérifie la conformité de votre véhicule pour la route. Donc eux, ce qui va les intéresser, c'est tout ce qui concerne la sécurité routière. Donc ils vont vérifier que vos meubles, ils sont bien solidement accrochés. Ils vont vérifier des petites choses du type que tous vos tiroirs puissent pas s'ouvrir quand vous roulez, vos tiroirs ou vos portes. C'est bien pour ça qu'on met des boutons, on peut mettre des boutons de ce type. Donc en fait, votre tiroir là, il est verrouillé, on peut pas l'ouvrir. Et il faut appuyer dessus avant de pouvoir l'ouvrir. Ce qui est écrit dans les textes, c'est qu'il faut faire deux actions mécaniques pour ouvrir un tiroir ou une porte. Donc une et deux. Un aimant, ça suffit pas. Si vous avez des portes que vous avez fermées par des aimants, soit vous rajoutez un petit loquet, soit vous changez votre système de fermeture, mais un aimant, ça ne suffit pas. Ça, c'est extrêmement simple à installer, ça coûte, 10 € les 5. Il y a juste un trou à faire, en fait, simplement, je vous montre un peu, quand on appuie sur le bouton, ça ferme le loquet, et il ressort après. Là, il est verrouillé, il ne s'ouvrira pas pendant qu'on roule. Et toutes les portes sont comme ça. Tout ce qui est meuble dans les passages, il ne doit pas y avoir de coin saillant. Donc assurez-vous bien d'avoir arrondi tous vos plans de travail, tous vos bords de porte, etc. Pas de coin complètement pointu dans le passage. Rien où on puisse vraiment se tanker la tête, etc. Je vous parlais dans la dernière vidéo de l'importance de faire des plans. Lorsque vous lancez dans l'aménagement, c'est extrêmement important pour la partie fabrication, mais ça va l'être également le jour de l'homologation. Parce que vous allez devoir présenter des plans cotés pour dire où sont vos meubles et pour justifier de la répartition de vos charges. Concrètement, ce que vont faire les contrôleurs de l'Adréal, c'est qu'ils vont poser une toise à côté du camion
tout le long, qui part du centre de l'essieu avant. Ils vont vérifier que tous les plans que vous avez faits et les dimensions que vous avez données, concernant l'emplacement des meubles et la charge que vous aurez à mettre dedans, sont corrects. Et ça, bah évidemment, c'est pour des questions de sécurité routière, c'est pour pas que tout le poids de chargement ou de l'aménagement soit sur l'avant ou sur l'arrière et que ça provoque un mauvais comportement du véhicule sur la route. Si vous avez fait des modifications de structure du véhicule, alors ce qui n'est pas mon cas, hein, toutes les fenêtres et lanternons ont été posées dans des zones sans renfort structurel du véhicule, donc j'ai pas eu besoin de faire de demande de modif. Bien sûr, s'il y a eu, par exemple, je sais pas, pose d'un toit, un relevable, par un professionnel évidemment, etc., tous ces documents-là sont à fournir à l'Adréal le jour de la visite, et d'ailleurs dans le dossier d'homologation sont demandés. Une modif de siège qui pivoterait, par exemple, ce genre de choses, etc. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que l'Adréal, elle va également modifier, si besoin, le nombre de places assises de votre véhicule. Pour moi, ça ne changera rien, hein, ce sera toujours 3 places assises. Mais si vous avez fait ou fait faire des modifs de ce type-là, dans la modification de carte grise, ce sera également pris en compte. Et j'entends beaucoup de gens qui disent que une homologation en VASP Caravan, c'est trop compliqué, que le dossier de Réal, c'est trop compliqué, et qui préfèrent faire des petites pirouettes en démontant un élément ou deux pour passer le contrôle technique. Dites-vous bien que la conformité d'un véhicule avec sa carte grise, ça ne sert pas qu'au contrôle technique. Hein. C'est une chose, effectivement, hein, le contrôle technique, il faut le passer. Si vous arrivez avec un véhicule aménagé et que c'est une carte grise utilitaire, vous ne l'aurez pas. Mais ça sert aussi et surtout en cas de contrôle route, et certes, et surtout, en termes d'assurance. Demain, vous avez le moindre pet avec votre véhicule aménagé. Même si c'est quelque chose de bénin, hein, pet de carrosserie, ça peut vite coûter un millier ou deux d'euros, pour un pare-choc ou même une porte à repeindre. Je ne suis pas certain que votre assurance, le jour où l'expert passe, soit très contente de découvrir que votre utilitaire est en fait un camping-car. Et je pense que vous pouvez dire un peu adieu à votre assurance le jour où ça arrive. Sur les petites astuces, j'ai acheté 4 lampes comme ça sur Amazon pour, je crois, 15 euros. C'est des lampes qui se mettent à l'extérieur avec un petit crochet là. Et moi, j'y ai collé 4 aimants. Et c'est vraiment génial parce que le soir, quand on est assis devant le camion, on a juste à poser ça et ça s'allume avec un petit détecteur. Bon, au niveau des indispensables, celui-là, je vous le présente pas. Sauf que le mien, quand j'ouvre une bière, la capsule s'aimante en bas. Fabrication maison. Chapitre des petites modifications qu'on a fait après la construction. On a rajouté des petites grilles d'aération. Ici un peu cachées et ici beaucoup moins cachées. Qui servent en fait à l'aération du frigo. On trouvait, nous, le soir et la nuit, quand on dormait, que le frigo se déclenchait assez régulièrement. Un peu trop à notre goût, parce que même si ça fait pas énormément de bruit, en pleine nuit, ça peut s'entendre quand même quand on est en demi-sommeil. Et il s'est avéré qu'en fait, alors c'est décrit dans la notice du frigo, hein, mais à coup de pas, mais le meuble qui renferme le frigo doit vraiment être aéré, et de manière conséquente, pour pouvoir faciliter les échanges de chaleur du frigo qui, par son compresseur, chauffe derrière, cette chaleur doit s'évacuer quelque part, pour pouvoir avaler de l'air frais par en bas. Hyper important, si vous avez un frigo de cette marque-là, d'ailleurs, certainement les autres marques, ça fonctionne de la même manière, pensez à bien aérer le coffre dans lequel il se trouve.